Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zen Ryu. Vous entendrez souvent dans votre vie dire « l'important n'est pas la chute, mais de se relever ». D'aucuns vous diront également « l'important c'est comment on se relève ». Que ce soit suite à une chute avant ou à une projection. Il existe donc un sens pour se relever. Bon visionnage ? Le sens. Dans un premier temps, sachez que c'est la chute qui va déterminer le sens dans lequel vous vous relèverez. En bref, je me relève toujours dans le sens de la chute. Si j'arrive sur mon côté gauche, je me relèverai à gauche. Si j'arrive sur mon côté droit, je me relèverai à droite. Idem pour les projections. Si j'arrive sur le côté gauche, je me relève à gauche. Si j'arrive sur le côté droit, je me relève à droite. Et ce, même dans une présentation kata, même si Uke doit tourner le dos Juseki lorsqu'il se relève. En ce qui concerne la chute arrière, vous êtes libre de choisir le côté vers lequel vous souhaitez vous relever. Comment se relever d'une chute? Dans un premier temps, je me redresse. Dans un deuxième temps, je plie la jambe du côté où je souhaite me relever. Donc si je veux me relever sur mon côté droit, je plie la jambe droite. Si je veux me relever sur mon côté gauche, je plie ma jambe gauche. Dans un troisième temps, je vais venir poser ma main sur ma jambe pliée. L'idée est de prendre appui sur mon genou pour pouvoir me redresser. Je me retrouve dans cette position. Mes orteils sont crochetés pour prendre un meilleur appui. Je me retrouve une main à la hanche et l'autre main sur mon genou. Cinquième temps, je prends appui sur mes orteils et sur mon genou pour pouvoir me redresser. Et pourquoi tu le dis pas quand tu fais la chute arrière? Wow. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Non, mais là, tu le dis à la fin. Mais par exemple, là, tu fais ta chute, et là, en même temps, je te lis le texte, si tu veux. Oui, ah oui, le faire en voix off, ouais. C'est ce que je viens de te dire, donc. J'espère que c'est... Qu'est-ce qu'elle fait? Il était meilleur qu'Inu Risa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent et tous ceux qui partagent les vidéos. À bientôt.